Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Vous savez, les raids vont bientôt arriver. Avant cela, on va avoir un nouveau donjon, un nouveau difficulté héroïque. Et la question qu'on peut se poser, et c'est celle que je me suis posée il n'y a pas longtemps, c'est comment je peux optimiser mon équipement pour être prêt pour faire du donjon, du mode héroïque et bientôt les raids. Alors bien sûr, actuellement, dans 5 jours, même pas dans 4 jours, là bientôt, 5 avril, votre stuff va évoluer en Gearscore 500, puisque le but, ça va être d'avoir des nouvelles pièces, donc ça sert à rien de farmer les pièces maintenant. Par contre, le but, c'est de garder en tête une certaine optique. Là, le but, ça va être d'affronter des élites en masse, donc l'idée, ça va être d'orienter son stuff vers du dégât élite. Donc c'est ce que je vous conseille personnellement. On va prendre par exemple cette pièce. Vous voyez, vous avez en attribut 11% de dégâts aux élites. Donc ça, c'est super sympa. Et vous cherchez aussi le talent. 15% aux dégâts sur les élites. Donc rien que sur ces deux pièces, déjà, bim, ça a plus de 26% de dégâts sur les élites. Ça va être ça votre objectif, parce que quand vous allez être en donjon, quand vous allez être en mode héroïque, quand vous allez être encore plus en raid, il n'y aura que des élites, essentiellement. Donc, si vous ne leur mettez pas un max de dégâts, vous allez tomber. Autre chose, comme on le dit toujours, un bon DPS est un DPS vivant. Donc, ça ne sert à rien que tu crèves, ça ne sert à rien d'avoir 60% de crit si tu es une chips. Il faut vraiment que ça soit clair, net, précis, sauf rôle défini en raid. Il faut vraiment que tu augmentes ta survie. Donc pour augmenter ta survie, il faut un max de protection et un max de santé. Donc cherche les pièces qui vont donner de la santé, du dégât ennemi aux élites, et tu rajoutes en talent les dégâts aux ennemis élites. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu veux être opti pour faire de l'héroïque, pour faire du donjon, pour faire du raid, il faut que tu partes sur ces stats-là. Plus d'armure, plus de protection, plus de santé et surtout plus de dégâts aux élites. Voilà, c'est une vidéo toute bête, c'est juste un conseil que je te donne. Les pièces que tu vas looter, voilà, celles que tu vas garder maintenant, que tu vas prendre maintenant, tu vas les jeter puisqu'on va passer en World Tier 5. Mais les prochaines que tu vas looter, garde ça en tête, tu vis ces stats-là. Tu les mets de côté, tu fais un stuff spécial PVE, donjon, pour casser des culs. Dégâts ennemis aux élites, santé, protection. Ça va être les stats à rechercher principalement. Après, bien sûr, tu vas travailler sur tes synergies, mais c'est vraiment une stat à chercher. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très très courte t'a plu. C'est juste un conseil que je te donne pour que tu puisses optimiser à l'avance ton stuff et que tu ne te sois pas comme certaines personnes à te rendre compte, ah merde, j'aurais pas dû jeter cette pièce, j'aurais pas dû la démanteler. Voilà. Donc prépare bien ton stuff. Là, on sait que le raid, il va bientôt arriver. On sait que ça va se passer normalement d'après les leaks dans un aéroport. Il faudra traverser le pont qui est au sud-ouest de la map. Il y aura plein de mobs sur ce pont. Il paraît que ça va être la folie. J'en dis pas plus parce que moi, tant que c'est des rumeurs, ça n'a rien d'en parler. Mais bon, voilà, l'idée, la rumeur, c'est que ça se passera dans un aéroport. Le raid, c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, tu sais que le 5 avril, il va y avoir des donjons. Tu sais qu'il va y avoir des nouvelles pièces. Ça va être une chance pour toi de garder ces pièces, de les mettre de côté. Et tu vas pouvoir casser des culs en mode héroïque parce que lui, il va casser des culs clairement. Donc voilà. Prépare-toi, si ça te plaît, tu mets un petit like, un commentaire surtout pour m'aider. Et n'oublie pas, je lance le concours, tous les 500 abonnés, je choisis une personne au hasard parmi les gens qui ont laissé un commentaire sur une vidéo et j'offre un jeu. Tout simplement, tu me dis le jeu que tu veux et je te l'offre. Voilà, on dit un jeu d'une valeur de 50-60 euros, on ne me sort pas une édition collector d'il y a 10 ans à 200 euros. Mais voilà, un jeu en moyenne 50-60 euros. Tu me dis le jeu que tu veux, je te l'offre. Ce sera un tirage au sort parmi les gens qui auront laissé un commentaire, tous les 500 abonnés. Voilà, le but, c'est de te faire plaisir et de m'aider à
propulser la chaîne parce que j'ai envie vraiment de vous donner un max de contenu. Et pour ça, ben, j'ai besoin d'une communauté pour développer, pour partager mes vidéos. Voilà. Si ça te plaît, tu laisses un commentaire, un like, tu t'abonnes. Je te dis à bientôt et prépare-toi. Le 5 avril, ça sort. Ciao, ciao. Venez par ici, agent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, partage, abonne-toi, coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.